Voilà, نرجع لكم في حصة ماك بلس. دونك انتروديزينا ان بتيت روبريك هكذا خفيفه بروتوندون نتلاقاو ان شاء الله من بعد جمال اللي هو جبنا سوجي تري تري انتريسون. دونك مع ليكيب تكنيك راه يحضر ابارامون شت فيد واحد البلا ما فهمتش وشي هو عدى به هكذا في الاستوديو. دونك ما قدرش نتحرك مالوريزمون مي معليش من بعد نشوفوا لا سيربريز تاع جمال. مي بروتوندون حبيت نهضر لكم جوستومون على ان نوفوتي اون فات دو انفورماسيون majeur cette semaine, en tout cas, dans le monde le high-tech, dans le monde des gadgets, dans le monde le smartphone, justement, donc on irait à la précision. En fait, il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Donc ça dépend comment on voit la chose. Si, ben, j'essaie de parler en français là, pour toucher tout le monde. Ben, si on parle de la bonne nouvelle, c'est la sortie, justement, presque imminente de l'iPhone 7, justement, parce que le géant Apple, donc, Marouf, il est connu pour la création de, notamment de l'iPhone, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a pas mal de tablettes, de PC et tout ça, macOS. Mais la sortie de l'iPhone 7, cette fois-ci, elle a quand même fait le buzz. Pourquoi? Parce qu'il y a des pour, il y a des contre. En fait, la particularité de l'iPhone, généralement, la firme Apple, généralement, elle apporte toujours quelque chose d'original. Quoique cette fois-ci, le monde a été un petit peu déçu parce que l'iPhone n'a pas fait la révolution comme il le promet toujours. Mais cette fois-ci, on parle justement uniquement d'évolution. En fait, parce que l'iPhone 7, c'est juste une amélioration de l'iPhone 6. Donc, sur ce plan, rien de particulier. Sauf que, il y a une nouveauté quand même de taille. C'est que l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus sont officiellement étanches. Donc, c'est le premier iPhone, l'iPhone 7 et le 7 Plus, c'est le premier iPhone étanche. Selon les normes IP67, ils peuvent donc être mis sous l'eau, en tout cas à un mètre de profondeur, et pas plus que 30 minutes quand même sous l'eau. Donc, généralement, c'est l'équivalent des caméras de maintenant sportives telles qu'on les connaît, comme les GoPro. Donc, l'iPhone 7, il devient étanche. Vous pouvez faire des vidéos, des photos d'atelement, donc sous l'eau. Voilà. Donc, vous ne risquez pas de vous faire noyer votre téléphone, en tout cas smartphone. La deuxième option qu'a ajouté Apple dans l'iPhone 7, mais vendu séparément, bien sûr, c'est les AirPods. Les AirPods, c'est quoi? C'est des écouteurs sans fil. Donc, c'est les mêmes écouteurs qu'a l'habitude de fournir Apple, bien sûr. Les écouteurs ordinaires avec les câbles sont fournis avec l'iPhone, mais vous pouvez éventuellement acheter les AirPods, c'est-à-dire des écouteurs vendus séparément, mais qui sont sans fil, avec une technologie presque comme la technologie Bluetooth. Donc, c'est comme des casques Bluetooth. Ce n'est pas des casques Bluetooth, mais c'est notre technologie de Apple. Aussi, le processeur de Apple 7 et 7 Plus, c'est un A10 Fusion. Donc, moi, je suggère justement au consommateur, quel que soit, il veut acheter un Apple ou un autre gadget ou un autre téléphone, ne primez pas le prix, c'est-à-dire ne voyez pas le prix affiché au détriment des performances techniques à l'intérieur. Parce que ça, c'est très important. Avoir un bon CPU, avoir de la bonne RAM, avoir de bonnes cartes graphiques, c'est toujours bon et durable pour l'appareil et pour ta poche aussi. Parce que si tu débourses moins dans des gadgets 18, ben, ça va se bousiller en minimum de temps. Donc, tu seras toujours, ou vous serez madame aussi, vous serez obligé d'acheter d'autres gadgets qui coûteront de l'argent. Donc, il vaut mieux miser sur quelque chose de professionnel, de fiable, même si ça coûte cher, mais ça va durer longtemps. Donc, ça a été testé même dans les voitures, dans tout, en tout cas dans tout équipement appelé à l'usure. Mais là, on parle de temps d'usure qui est relativement ajustable. OK. La chose la plus importante aussi dans le iPhone 7, c'est... Et il sera doté de deux capteurs photo,
donc plus de stabilité dans l'image. Et l'effet bokeh, ben c'est un mot qui vient du japonais. Donc, l'effet bokeh, c'est un effet où on voit le personnage ou le sujet avec un fond flou. Donc, c'est un fond artistique, il est cherché. Il est généralement introduit dans les appareils réflexes, mais cette fois-ci, le iPhone, comme étant un téléphone à la base, l'a introduit dans les caméras, dans la caméra photo de l'iPhone. Et ça, c'est une nouveauté. L'iPhone 7 sera disponible à partir du 16 septembre 2016, ici en tout cas à Montréal ou au Canada, sauf que le prix sera quand même très élevé. On parle là de 1126 dollars l'entrée de gamme de iPhone, c'est-à-dire l'iPhone simple avec 32 gigaoctets de mémoire. Si on passe à la version customisée Pro, soit 128, soit 256, là, il faudra débourser bien sûr plus. Alors là, on parlait de la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, en fait, c'est une bonne nouvelle pour Apple, mais une mauvaise nouvelle pour Samsung, parce que Samsung, justement, comptait justement concurrencier le iPhone 7 avec le Galaxy Note 7. C'est vraiment un smartphone de taille aussi, de qualité, sauf qu'il y a eu un problème imprévisible, car Samsung vient de rappeler toute la marchandise Galaxy Note 7 à cause des batteries, des piles introduites dans l'appareil qui explosent. Donc il y avait plusieurs cas d'explosion carrément de batterie. Donc ils ont décidé de rappeler tous les Galaxy Note 7 pour les remplacer ou pour donner aux acquéreurs de Note 7 un autre téléphone Samsung au choix. Donc ça, c'est une mauvaise note pour Samsung. D'ailleurs, l'opération a été très coûteuse. On n'a pas de chiffres officiels jusqu'à présent, mais il y a quand même une perte sèche de plus que 1 milliard de dollars selon les économistes du high-tech, ou notamment le Nasdaq dans les États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est la note de Samsung versus note Apple. Pour les rendez-vous high-tech, on a un rendez-vous. Ça sera le 21 septembre à 18h dans l'amphithéâtre Ernest Cornier au pavillon Roger Caudray à l'Université de Montréal. Ben, il y aura justement une conférence sur la révolution de l'intelligence artificielle. Cette conférence sera animée par trois sommités de la recherche et en intelligence artificielle, notamment Yoshua Bengio, Yann LeCun et Joël Pinault, donc, qui vont nous aider à mieux comprendre les avancées et les différentes facettes de cette technologie fascinante. Je signale que cette conférence à l'amphithéâtre Ernest Cormier à l'Université de Montréal à partir de 18h est gratuite, donc il n'y a aucune inscription à faire. Ceux et celles qui sont intéressés par le high-tech, par l'intelligence artificielle qui commence à faire face, ben, il y a des années de cela, notamment aux États-Unis, au Japon, mais qui fait un petit peu. Il y a beaucoup de brouillard sur ce sujet-là. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas à l'intelligence artificielle. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à assister à cette conférence. Vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, ça c'est le côté high-tech de cette émission Mac Plus. Ben, prochainement, on va essayer de vous préparer quelque chose d'intéressant. Donc ne quittez pas les ondes de Radio-Québec Plus. On est toujours sur le banc de l'émission Mac Plus. Tout à l'heure, nous allons recevoir Jamel qui va nous parler justement d'un sujet palpitant. Qui sera l'enseignement, justement, donc Talim.